un petit make-up léger ce soir. Écoutez, enfin léger, je vais quand même mettre une petite couche de tartine, mais là j'ai mis une base, donc c'est une crème anti-huile, sans huile plutôt, pardon. J'ai tellement parlé de cellulite, anti-cellulite que j'ai anti-huile, sans huile. Ensuite, fond de teint, pour ce soir, je vais mettre le Born This Way. En sachant que c'est vrai que ces derniers temps, mes fonds de teint, je les coupe parce que je trouve pas ma teinte idéale, vu que je suis très très pâle. Et ben ça fait soit un peu trop orange, soit c'est pas ça. Donc là, ben, j'ai tendance à mettre celui-ci, puisqu'encore ça passe. Il est un peu jaune, vous voyez, mais ça va. Donc fond de teint, un peu d'anti-cerne. Je vais mettre du blush. Celui de chez Dior, le 01, là, que j'aime bien. Un petit peu de contouring léger. Mascara et gloss, c'est tout. Et là, je vais venir. Avant, quand je mettais mon anti-cerne, je mettais genre là. Bon, ça te fait, je vais le faire comme ça. J'en mettais là. Et j'allais jusque là. Et genre là aussi, vous voyez. Et j'ai vu TVL, il y a quelques mois, disant que ça, c'était du coup la technique à l'ancienne, de il y a 5-6 ans. Et là, il fallait faire juste là, ici. Et là, plus bas. Et que ça recouvrait. De la même façon que là, sans que ce soit too much. Effectivement, maintenant que je fais ça, ben ça recouvre suffisamment mes cernes sans pour autant qu'on voit que ce soit pas assez ou c'est nickel. Et je mets moins de produit. Light Medium, le Tarte Shape Tape. Je buguais, désolé. Shape Tape de chez Tarte, Light Medium, puisque je suis très pâle. Sinon, j'utilise à la base, ben ils sont tous là, le Medium. On va continuer le tapot. Effectivement, vous remarquez tout le temps la différence entre mon front et mon visage, puisque je ne maquille pas mon front. Ne me demandez pas pourquoi, je fais ça depuis toujours. Je pense d'ailleurs que la vraie raison, puisque moi-même j'y ai réfléchi, c'est que vu que j'ai souvent des petits cheveux qui tombent sur mon visage, et bien quand j'ai le front maquillé et que j'ai des cheveux qui tombent dessus, ça, j'ai l'impression que ça colle à cause du fond de teint, et je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Donc je mets quand même de la poudre, histoire que ce soit un petit peu harmonieux sur mon visage et que ça ne paraisse pas trop clair ici par rapport au reste. Mais je ne le maquille pas. En revanche, là, j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, je mets de la poudre quand même. Donc, je mets un peu de poudre et un peu de bronzer, histoire de. Mais vous remarquez souvent sur mes photos ou vidéos, vous me dites, mais Cam, je n'ai pas maquillé ton front. Ben non. Au passage, la poudre que je mets après... Oula, la lumière, elle fait mal. La poudre que je mets pour fixer donc, mon fond de teint, initialement, c'est celle de chez MAC. La Mineralize Skin Finish Naturel. OK, en médium. Mais j'ai découvert depuis peu, grâce à Nawel, donc Style by Syria, la fameuse Airbrush Flawless Finish, donc de chez Charlotte Tilbury. Et c'est vrai qu'elle est très très bien. Donc les deux, en fait, pour moi, hein, après ça va dépendre de ce que vous préférez vous, mais les deux, moi, me conviennent parfaitement. Et le fini, il est très très beau et c'est vrai que c'est naturel, quoi. Voilà. Ouais, non, là, il faut que je mette du bronzer sur mon front parce que c'est catastrophique, ça se voit trop. Et le tuto beauté arrive, alors je vous l'ai assez dit effectivement, là j'attends juste deux lampes pour avoir une luminosité parfaite vu que ce sera fait dans la chambre, et elle tarde, comme le reste de ma commande d'Amazon, c'est vachement long, je sais pas si c'est Dubaï ou pas, mais compliqué quoi. Bon allez, je finis parce que si je parle, je vais mettre une heure à me maquiller, ma mère elle est déjà prête, la pauvre, je me dépêche. C'est vrai que ça fait du bien de se maquiller. Étape coiffure, vous savez à quoi je pensais là il y a 2 minutes? Que j'aurais dû enlever mon t-shirt, parce que c'est un t-shirt qui arrive là. Donc autrement dit, pour enlever l'enlever sans me démaquiller, ça va être compliqué. Tadam.